Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a accordé une audience, le lundi 11 mars 2024, au président élu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain, PDCIRDA, Tidjane Thiam. Il dit être venu voir le chef de l'État pour lui présenter ses civilités et solliciter ses conseils pour sa nouvelle mission. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a reçu en audience Tidjane Thiam, le nouveau président du PDCIRDA, le parti de l'ancien chef d'État ivoirien, Henri Konan Bedié. Lors de cette rencontre, Thiam a exprimé son désir de présenter ses civilités au chef de l'État, solliciter ses conseils pour sa nouvelle mission, et échanger sur leur vision commune pour une Côte d'Ivoire pacifique, stable et prospère. Les discussions ont également porté sur les obsèques de l'ancien président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bedié, prévues du 20 mai au 2 juin 2024. Le président Thiam nous a également informé de la décision de la famille du président Henri Konan Bedié et du PDCIRDA de la période des obsèques de feu le président Henri Konan Bedié, mon aîné, a-t-il dit. Et la date, je crois, est fixée du 20 mai au 02 juin de cette année, a indiqué le président ivoirien Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a souligné l'importance de cette période et s'est engagé à soutenir pleinement les cérémonies. Je voudrais dire que bien évidemment la présidence jouera toute sa part et moi-même en tant que jeune frère du feu le président Bedié. Je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ses obsèques, a promis M. Ouattara. C'est Kofi Boni, président honoraire du PDCIRDA, qui a accompagné Tidjane Thiam qu'il a présenté à Alassane Ouattara. Ce dernier a affirmé l'attachement fort entre le RHDP et le PDCI, soulignant une vision commune pour une Côte d'Ivoire en paix. Je suis venu présenter mes respects au président de la République et solliciter une nouvelle fois ses conseils et ses avis, a dit M. Thiam. Les deux leaders ont échangé sur leur vision partagée pour le pays, mettant en avant l'importance du dialogue et de la paix dans la démocratie ivoirienne. Thiam a exprimé sa disponibilité à travailler avec Ouattara et le RHDP pour le développement et la stabilité du pays. Depuis son élection à la présidence du PDCIRDA le 22 décembre dernier, c'est la première fois que Tidjane Thiam s'entretient officiellement avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Cette rencontre marque ainsi un pas significatif dans les relations entre les deux partis et les dirigeants politiques ivoiriens.